Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Hey, thanks a lot, guys. Merci vraiment beaucoup. Nous sommes sur la Lune. Que voyez-vous? Avant que je le dise, on va juste simplement le regarder ensemble. Vous allez voir des flèches, des cercles en train d'indiquer des choses que moi je vois présentement. On voit tout simplement des grandes côtes. Et dans le bas de ces côtes-là, ou dans le haut de ces côtes-là, on voit comme une espèce de fumée, un nuage. Naturel ou non, c'est peut-être une fumée faite donc par industriel ou non, mais c'est quand même quelque chose que pour moi, il n'y a pas personne qui veut vraiment montrer ça, je crois, et en même temps, moi, je le vois. C'est une preuve visuelle que ces fumées-là sur la Lune, ils nous le disent qu'il y en a. Le cratère Eratosthenes, juste au bout des montagnes Apennines, on voit une fumée. Est-ce que c'est du méthane? C'est quoi? Okay, can I see that without the infrared and just the regular light? Les ovnis en plein après-midi ici dans le ciel de Montréal. Yes, right, or UFO? Look at it. Ça a l'air à être la même sorte de lumière que je vois ici dans le ciel quand je filme avec mon infrarouge le soir, mais ça c'est avec un appareil de photo ordinaire, P900. Ici, vous voyez tout simplement que j'ai descendu d'exposition de l'image en pleine noirceur, à descendre toute la clarté de l'image pour que nous puissions voir simplement cette boule lumineuse en plein après-midi. Un peu de variation, allons voir la planète Vénus avec un mystérieux objet devant qui a l'air triangulaire. Si vous êtes aussi intéressé que moi avec la question de quand est-ce qu'ils vont nous parler de la Lune, la divulgation, regarde l'élévation que nous voyons un peu avec l'angle que je vous montre la Lune. C'est Sinus Iridum, Bianchini à droite, le cratère, et à gauche, le promontorium où ce que je vous ai montré les structures. Mais ici, en plein centre, entre ces deux points-là, nous avons un autre endroit. Je peux vous dire, ça ressemble à Area 51, ça a l'air d'une industrie, ça ressemble à Walmart, ça a l'air d'un aéroport, ça a l'air humain, peut-être même probablement, la manière qu'ils ont construit. Puis ces objets-là, ces endroits-là, sont pas cachés du tout. On voit bel et bien des patchs de terre lunaire partout ici, au bout des lignes, et avec ces deux lignes qui croisent un genre de plateforme. Il y en a qui m'ont demandé la semaine passée, « Bruce, voyez-vous des explosions quand la Lune est à peu près à demi-lune ou sur le côté noirceur face à la Terre? » Oui. Regarde cette explosion. C'est pas gros, hein? C'est loin, c'est petit, mais on se rapproche avec la 14 pouces, bien sûr. Sans pixelisation, nous voyons carrément un feu qui s'est produit, une explosion sur la Lune. La NASA nous dit que ça n'arrive pas souvent. On parle aussi que les ovnis croisent les avions de très, très près. C'est un problème. Le Pentagone aux États-Unis ont parlé récemment aussi. Eh oui, vous avez vu comme il faut. C'est un ovni qui passe pas de droite à gauche. C'est un ovni qui s'en va, qui disparaît dans le centre de l'écran et qui s'en va plus loin juste au moment que je lui ai demandé de le faire. Impressionne-moi, j'ai dit en anglais. Ben, croyez-moi que plus qu'une fois, ces lumières m'impressionnent. Parce que les caractéristiques n'ont pas rapport avec des satellites, n'ont pas rapport avec des avions. C'est pour ça que le Pentagone a montré qu'il y avait beaucoup de différentes caractéristiques. Fait qu'il y a plein de différentes associations. Les termes ont été changés par les militaires eux-mêmes. Il n'y a pas de boss dans l'ufologie, là, en réalité.
On n'a aucune idée que c'est en train d'arriver côté ufologue avec le gouvernement. Les ufologues avec, pour le gouvernement, puis les ufologues en ovniologie, comme que nous faisons toutes ici, deux différentes choses, beaucoup de différentes choses. Regardez les flashs de lumière provenant tout près de l'OVNI, deux flashs de lumière. Ça, c'est quelque chose que je vois quand même assez souvent arriver dans le ciel. Beaucoup de différentes caractéristiques. La gang, l'intensité de lumière provenant du corona du soleil a diminué. Juste avant qu'une gigantesque éjection de masse coronale s'en vient vers la Terre. Présentement, on l'attend pour ce soir ou demain. C'est une grosse roche, plus gros que la Terre, qui a passé près du soleil. Ça, dépendamment de l'axe de la Terre et la manière donc qui fait une rotation alentour du soleil, c'est ça qui décide, la gang, comment que nous allons avoir la météo ici sur Terre. Le soleil est en charge des volcans. Le soleil nous monte, même ici au Canada, là, encore pire à grandeur ailleurs dans le monde. Des nuages provenant du sol, comme ça serait Harp qui les crée. Nous avons des nuages rouges dans le ciel, comme que je vous ai montré juste ici au tout début. Là, au tout début, ce boulevard l'inconnu. On peut dire que c'est inconnu, hein, maintenant, notre Terre. Un air de glace a différents stages. Il y a un gros moment de milliers d'années où ce que c'est chaud, hein, la Terre se réchauffe. L'effet climatique, là, l'effet de serre là, qui disent que c'est nous autres qui créons avec de la pollution. Pourtant, c'est drôle, c'est un cycle naturel. Ça fait des millions d'années que le soleil cause ça à notre Terre, qui est un moment de réchauffement, comme un effet de serre, puis ensuite, le climat change radicalement où ce que on se les gèle là, pendant des milliers d'années. Mais il y en a qui sont en train de dire, les professionnels, ils disent que présentement, cette fameuse aire de glace qui s'en vient, non, on est peut-être probablement dans la même aire de glace, là, des vingtaines, là, longtemps, des milliers d'années par avant, parce que c'est un cycle qui prend beaucoup de temps. N'oublie pas, on en a parlé ou en direct, les pôles qui shiftent, qui tournent, qui changent de place, le soleil et la Terre, c'est pas pareil. Ça arrive une fois par 300 000 ans sur la Terre, puis ça fait 780 000 ans qu'on n'a pas eu de changement de pôle sur la Terre. Mais le soleil, c'est pas pareil. Ça arrive assez souvent. Alors, Betelgeuse, l'étoile qui a explosé, perdu le chromosphère au complet, il a perdu son top, Betelgeuse, la constellation d'Orion. Ça, c'est Betelgeuse. Juste sur le coin, le rebord, là, on voit des objets, des gigantesques roches qui sont en train de provenant de Betelgeuse, ou bien cet objet, cet ange incroyable avec la queue, un dragon, dépendamment de ce que vous voulez l'appeler. Regarde la grosseur de cet objet. Mais ça, c'est en 2018, puis en 2019, c'est quand Betelgeuse a carrément explosé. Qu'est-ce qui est arrivé avec Betelgeuse avant qu'il explose? Ben, une diminution de l'intensité de lumière du corona de cette étoile. Notre Soleil est une étoile aussi. Si l'intensité de lumière est en train de descendre, puis on a des grosses explosions, est-ce que c'est un signe qu'il va avoir quelque chose? Nous ne savons pas. Everyone, thanks for the generous contributions and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.